amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est sorti le 24 février 2021, où on incarne une citrouille, voilà, qui s'appelle Jacques la citrouille. Donc j'avais envie de faire une rubrique où qu'on découvre des jeux ensemble, que ça soit des jeux d'aventure, des jeux indés, n'importe quel jeu. J'avais envie vraiment de découvrir d'autres univers, voilà. Donc j'essaierai de faire une fois par semaine ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire vraiment. Donc c'est parti, allons découvrir ce mystérieux jeu d'aventure. Une fois, dans le majestueux royaume arc-en-ciel, où tous les hommes et tous les animaux vivaient en paix, dans l'harmonie. Allez, je vous laisse découvrir l'histoire, les amis. L'allégresse, un enchantement pour petits et grands. C'était un âge prospère où l'on ne craignait ni guerre, ni famine, ni désastre. C'était vraiment très, très ennuyeux. Si ennuyeux. Tellement ennuyeux, en fait, que le diable lui-même s'ennuyait en perdre la tête. Le diable rêvait de carnage, de destruction et de souffrance à l'échelle cosmique. Il élabora alors un plan malicieux afin de rendre les choses un peu plus intéressantes. Le diable fit s'abattre sur le monde la malédiction de la nuit éternelle. Un sort terriblement puissant qui réveilla les morts à travers tout le royaume. Les monstres submergèrent alors chaque ville, chaque hameau et chaque maison pour répandre le sang et la terreur. C'était l'immersion. Oh son Dieu! Mais allez savoir pourquoi. C'est mieux quand même. Préféraient leur petite vie sûre et ennuyeuse. Ils ne purent supporter que quelques monstres vinrent les taquiner en arrachant à peine quelques membres. Alors, ils firent appel à un grand champion. Un mage, un surpuissant, avec le pouvoir nécessaire pour détruire la malédiction et vaincre le diable. Le sorcier, abandonnant sa tour luxueuse et ses livres, se mit en quête du pouvoir qui lui serait nécessaire pour annihiler la malédiction de nuit éternelle. Très bien. Je peux aussi jouer à ce petit jeu. Et qui sait, ça pourrait même être enrichissant. Et c'est alors qu'il envoya son propre héros, ou plutôt anti-héros, l'abominable Jack, le plus machiavélique des escrocs, condamné à errer à travers le monde sous forme d'esprit frappeur. Le diable invoqua l'âme de Jack dans une citrouille et lui fit une proposition. Il pardonnerait à Jack ses arnaques du passé et lui offrirait le repos éternel. Et en retour, il demanderait à Jack une mission des plus simples. Trouve le sorcier et détruis-le. Donc voilà les amis, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. PS5, PS4, Xbox, Switch et PC les amis. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, on va incarner le mal. Donc je suis mis en couleur de Noël comme vous pouvez le voir. Allez, franchement c'est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Allez, on va découvrir ça. Et c'est bien, c'est en français, les amis. Je remercie les créateurs du jeu qui m'ont offert le jeu pour vous faire voir en... pour vous le présenter. Donc j'espère que ça va vous plaire, les amis. C'est vraiment un jeu d'aventure, les amis. Ça change vraiment totalement du jeu multiplateforme. Franchement, je me suis dit, un jeu d'aventure, ça fait plaisir, de temps en temps. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, il y a beaucoup de narration au début, hein, les amis, comme vous pouvez le voir. Donc, on est surveillé par le hibou, vous l'aurez compris. Allez! Allez, c'est vraiment stylé. Hein. Bon, pour l'instant, on peut que taper. Voilà. Allez, waouh. C'est super coloré, les amis. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de coloration. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah! Boire! Voilà. Allez. Double saut. Voilà, ça c'est cool. Des fois il y a des énigmes les amis. Des fois il y a des énigmes aussi à résoudre. Aussi. Voilà. Allez, nous voici là, maintenant. Bon, pour l'instant, bon, il faut suivre le chemin les amis. Hop. En fait, faut un nouveau point de contrôle. Faut, en fait, les points de contrôle, c'est les chaudrons. Faut toujours boire. Ça va mieux.
Ça te donne de l'énergie, ça. D'accord. Là, on peut esquiver. Hein, d'accord. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un jeu d'aventure. Hein. C'est vraiment un jeu d'aventure. Franchement, bon délire. Je vous dis, si vous aimez vraiment les jeux d'aventure, vous pouvez le trouver. Hein. Sur toutes les plateformes. Voilà, parfait. On a passé et on est spoté. Allez, wack wack. L1 pour faire feu. Vous voyez, on peut. Waouh, c'est pas mal ça. Vous voyez. Ouais, regardez, l'oiseau il t'aide. C'est pas mal du tout. Nouveau point de contrôle. Et on va boire un coup. Ça va mieux. Ouais, ça commence. On peut faire des coups de pelle. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut casser les trucs. Ah, des masques, en fait, il faut collectionner. Faut les collectionner. Allez, hop, oh. Allez, c'est basé. Ça va, c'est bien, c'est qu'on en a beaucoup. Ça, c'est cool. Voilà. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez que je le fasse en live sur Twitch. Dites-moi un peu si vous voulez que je le fasse sur Twitch. N'hésitez pas, les amis. Si le jeu vous plaît, je le ferai peut-être sur Twitch si ça vous dit. Dites-moi en commentaire, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre de jeu. Voilà, carrément. Ouais, la musique elle s'accélère. Tac. Vous voyez les masques qu'on récupère, ça sert à acheter bah, les trucs comme ça. Voilà, bon, on en a pas assez malheureusement. Oh, il y a un cadeau. Oh, les cadeaux. Ah, il y a même des cadeaux à récupérer et tout ça. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Il y a beaucoup de trucs. Allez, on avance. C'est parti. Faut vraiment cafouiller, quoi. Tiens. C'est vraiment intéressant, les amis, à découvrir des jeux comme ça. Hein. Vraiment intéressant. Hein. Tiens, boum. La guerre. Voilà, hop, ça c'est fait. Voilà, paf. Franchement, si vous aimez bien les jeux d'aventure, bah n'hésitez pas les amis, vraiment. Bon, y a pas de multi hein les amis, y a pas de multijoueur. D'accord, y en a pas. Mais bon. Après, c'est pas un jeu vraiment multi, hein, les amis. Hein. C'est vraiment une plateforme, hein, vraiment. Vraiment plateforme. Après, c'est. Après, il y a un peu de liberté, les amis. Vous voyez, il y a un peu de liberté. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool, la liberté, comme ça. Ça, on peut regarder un peu les paysages et tout. C'est pas mal. Vraiment pas mal. J'aime bien quand il y a un peu de liberté, un peu. On peut un peu se balader, quoi. Pas obligé forcément de suivre les trucs, quoi. Par contre, faut bien fouiller, hein, comme je vois. Pour vraiment récupérer les trucs. Allez. Oh. N'hésitez pas à me le dire, les amis. Hein. Et quel jeu que je voudrais bien voir un peu sur la chaîne. Je veux dire, en vidéo. N'hésitez pas, les amis. Aussi, si vous avez des autres idées de jeux, pourquoi pas. Après, j'essaierai de les faire, mais... Voilà, c'est vraiment des découvertes de jeux, les amis, auxquelles qu'on penserait peut-être pas à jouer, quoi. Vous voyez le truc? Parce que des fois, on loupe des pépites, on croit que c'est nul, le jeu, on croit que c'est nul. Et arrivé là, ben, on aime bien, en fait. Vous voyez? Ça, force, il y a des jeux indés, tout ça, on croit que c'est nul, mais quand tu regardes dessus, on dit, bien, c'est super, quoi. On va essayer, quoi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment, le but, c'est vraiment de découvrir le jeu et...
Et pourquoi pas après que... Bah vous jouez quoi. Voilà. Allez, c'est parti! Let's go! Oh, il y a ces trucs. Bon, oh, il y a des... Ah, il y a des trucs logiques, les amis. Il y a des trucs vraiment... Allez, on va essayer. Si tu veux utiliser tes racines pour te déplacer, faire des doubles sauts et attaquer. Oh, oh, oh. Vous voyez, c'est des trucs logiques. Voilà. Voilà. Bah, je sais pas si c'était l'idée, mais ça a marché. Voilà. Voyez les nids des fois, les amis. Ouais, c'est super plus dur. C'est vraiment tout cassable quasiment. Hein. Tu regardes. Allez. Hop. Voilà, c'est ça, c'est bien. Hop, on y fonce. Oh Jacques, je crois que t'as fait tomber. Oh merde. Là. Voilà. Ça sent le roussi, non? Faut qu'on s'envole ici, Jacques. On a mis feu. Le roussi là les amis, allez on fonce. Je rappelle les amis, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes les amis, ce jeu. N'hésitez pas si vous avez envie. Bah, il est disponible les amis, hein. Il est disponible. Allez, là pour l'instant faut s'en sortir de ce truc. Pour l'instant faut suivre. Ils ont un casse, hein. Wow. Oh, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Oh, je pense pas que je l'ai vu. Ah, la terre s'est pêchée. Oula, c'est chaud, ouais. Et c'est pas facile, hein, quand même, les amis. Que faut regarder au combat. C'est pas facile. Hop, on est bientôt à la sortie, les amis, je pense. Ouais. Fou, on a réussi. On a réussi. Par contre, on a détruit la grange. Oh, il va pas être content, je pense. Il va pas être content. Il est allé longue à la première épreuve, les amis, je trouve. Hein. Oh, allez. Oh, le combat. Voilà, voilà, c'était facile. Voilà, c'est fait, les amis. Comment c'était simple? Le seul escroc qui avait su se payer la tête du diable lui-même était maintenant de retour dans le monde des mortels. Revêtu d'un corps frais comme enveloppe charnelle et coiffé d'une citrouille faite sordide, il rencontra le hibou et le corbeau qui s'allièrent à lui pour combattre à ses côtés. Mais Jack et ses compagnons de la nuit n'avaient pas le temps de profiter du paysage. Non, leur quête pour anéantir le sorcier s'annonçait des plus longues.
L'abominable Jack, bien à l'aise dans son nouveau corps, suivit donc le hibou jusqu'aux montagnes à l'horizon, car en leur sein se cachait un puissant secret, enfoui au fond d'anciennes mines labyrinthiques. Donc voilà, les amis, la première épreuve. Franchement, j'ai trouvé le jeu super drôle, super amusant, bien écrit. Et c'est vraiment un jeu d'aventure, franchement, le plus fun qu'il y a. Donc, si ça vous intéresse que je fasse la suite en live sur Twitch, dites-le moi en commentaire, les amis. Vraiment, si vous êtes nombreux à me le demander, eh ben, je le ferai sur Twitch. Voilà. Donc, quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Je vous fais plein de bisous. Et j'espère que, franchement, la nouvelle rubrique sur la chaîne va vous plaire à la découverte de jeux. Vraiment, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, on se retrouve très prochainement, les amis. Bisous, bisous. Ciao.